C'est en tout cas continuer nos chemins. À ce que j'ai envie de dire, c'est on laisse les cartes purifier tous les lieux, tout le matin, pour vous accueillir. Donc, cette semaine, j'ai animé un gros stage à The Qi Dance. C'est entre le Qigong, les arts martiaux, le Tai Chi Chuan, les danses modernes, dans le sens de santé jusqu'à spiritualité, aussi laisser toutes les expressions des émotions les plus profondes de communiquer avec le monde. Ainsi, trouver ces grandes forces de vivre et quand l'âme de création. Bienvenue à ce 6 à 9. Et bien ensuite, il y a deux stages, hein, le Qigong thérapeutique par le Liangong statique et le Qigong de la femme. Donc, ces deux stages, le premier, je serai là le premier jour, et puis Madame Wang Yanni assure le stage. On l'a préparé vraiment dans le détail pour que vous passiez autant de qualité comme si Madame Lui était là. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, le Qigong de la femme aussi, hein, continue à venir résonner dans tous ces gros stages parce que c'est important. Aussi, samedi soir, vous pouvez voir, j'ai programmé une belle soirée entre la musique sacrée, vibration de Jérémy et un Qi Dance avec Marceau. Donc, je pense que c'est un moment vraiment très, très révélateur quelque part, de vous donner, de vous charger une énergie positive, de vous amener voyager dans ces grandes forces de spiritualité et aussi revient en le fait dans notre grand système de défensif immunitaire. Venez nombreux pour cette belle soirée. Je pense que vous passerez un vraiment beau moment. Donc, aussi, à cause du coronavirus, je pense nous sommes obligés, bien évidemment, à aller le voyage du printemps de temps du corps. Ce rendez-vous annuel avec toute la montagne sacrée, cette année, sera reporté à l'année prochaine. Mais je vous invite de venir tous pour une semaine de pratique de Hui Chun Kung, de Qigong Taoïste, avec toutes les activités de méditation, de cérémonie de thé, de musique vibratoire. Et puis aussi fini dans le jardin chinois qui est en dehors de Paris. Ah, c'est le jardin Yini qui est très connu, comme si on retourne en Chine. Quelle énergie de l'univers qui nous réunit, quels que soient les endroits où on se trouve. Je pense que la montagne sacrée aussi, c'est nous-mêmes, notre corps rempli de vitalité, rempli de bonne énergie, à résonner avec le monde.